Salut, c'est Franck Caluto. Pour beaucoup, le mois d'août est synonyme de vacances et je vous souhaite d'en profiter pleinement si c'est votre cas avant, on l'espère, de pouvoir vivre tous ensemble une saison de foot qui tente vers un retour à la normale. Dessous de Verre ralentit également la cadence pour quelques semaines avant de reprendre son rythme habituel avec un invité le 12 septembre. En attendant et avant la reprise du championnat, je vous propose un petit jeu, définir tous ensemble l'équipe type de l'AS Saint-Etienne pour débuter cette saison 2020-2021. Pour jouer tous ensemble, rendez-vous sur Twitter. Chaque jour du 8 au 18 août, je posterai sur le compte de Dessous de Verre un tweet vous permettant de désigner le titulaire d'un des 11 postes, du gardien à l'attaquant de pointe. Un joueur qui arriverait en tête pour plusieurs postes serait affecté au rôle pour lequel il a obtenu le plus de suffrages. Pour les autres postes se trouvant alors non affectés, c'est le joueur arrivant en deuxième position qui serait alors désigné. Bien entendu, les choix proposés ont été listés avant la réouverture du mercato en août. Il fallait également définir un système de jeu, j'ai opté pour le 4-2-3-1, la formule que Claude Puel a le plus utilisée lors des matchs de préparation et en finale de la Coupe de France. Rendez-vous donc dès maintenant pour exprimer vos préférences, je vous dévoilerai le résultat et la composition de votre 11 de départ idéal quelques jours avant le coup d'envoi du championnat, qui aura lieu vendredi 21 août avec l'affiche Olympique de Marseille à AS Saint-Etienne. Je profite aussi de ce numéro un petit peu spécial pour vous remercier de la première année que nous venons de passer ensemble. Vous avez été nombreux à écouter les 13 premiers invités de Sous Verre, de Bilal Aouacheria à Ilan, en passant par Pascal Feindouno, Patrick Guillou, Jérémy Jeannot ou encore Fabien Lemoine. Et si vous avez fait l'impasse sur certains épisodes, tous sont encore disponibles à l'écoute, par exemple pour vous accompagner sur la route des vacances. Comme d'habitude, n'hésitez pas à faire connaître le podcast à vos proches et à en parler sur les réseaux sociaux, à lui mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, des pouces bleus sur YouTube, c'est hyper important pour lui permettre de continuer à se développer. Si vous voulez prolonger la conversation avec moi, faire des remarques ou donner des idées de futurs invités, direction la page Facebook ou rendez-vous sur les comptes Twitter et Instagram de Dessous de Verre. Écrivez-moi aussi par mail à l'adresse dessousdeverre@gmail.com et on se retrouve très vite. Ciao !